Bonsoir, je suis Bob Lennon, et sans plus attendre, chers amis, la suite de votre feuilleton. Bon bah lui il est mort. Soldats, prenez le bélier, détruisez le géant d'osier. Ça traînait juste là en fait. C'est pratique hein, quand tu hurles qu'il faut qu'il prenne le bélier, il y en a toujours un qui traîne. Putain, mais ils sont tous dedans, quoi. Italien, je serai toi, je serrerai les fesses. Plus dur sera la chute. Allez, les mecs. Les mecs, je crois que ça le fait. Barrez-vous, 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 barrez-vous. Ça va? Ça a l'air. Regroupez les corps, vous deux. Il faut parfois savoir regarder plus loin que ce que l'on voit. Yep. Beau travail, Marius. Merci. Soldat! Soldat! Oui. Ne restez pas planté là, espèce de bon à rien! Faites-moi sortir! C'est pas le fils de l'empereur? Faites-moi sortir immédiatement! Je suppose qu'il s'agit de notre noble chef, le général Commodus. Ah oui! Oui, le fils de l'empereur. Faites-moi sortir, bande d'abrutis! C'est un ordre! C'est ta victoire. À toi l'honneur, centurion. À vos ordres. Quand il faut, il faut. Dépêche! Viens là, espèce de crétin! Ça va! Donne-moi ta cape! Donne-moi ta cape! Tu veux te prendre pour Batman? Ah. C'est juste un symbole d'autorité ou... Bon, j'imagine qu'il avait besoin de quelque chose pour se torcher. Nous marchâmes sur York. Commodus était sauf. Et Oswald prêt à accepter la paix. Je priais les dieux pour que cet insupportable bain de sang cesse enfin. Et que mes hommes et moi puissions enfin regagner Rome. Je commençais à comprendre pourquoi le commandant Vitalion mettait en doute le bien fondé de cette campagne. Ça m'a l'air plutôt justifié à mon humble avis. Combien de soldats étaient morts pour cette soi-disant victoire? Ouais, c'est sûr que si tu le dis comme ça. Pour ma part, j'avais fait couler bien assez de sang. C'est validé. Gouverneur, j'amène devant vous Oswald, le roi des Bretons. Il a renoncé à la rébellion. Bien. Il accepte l'autorité de Rome. Bien. Et désormais... il se battra pour maintenir la paix entre nos deux peuples. Bien. Seigneur Commodus, je demande simplement que mon peuple soit traité justement. En toute équité. C'est raisonnable. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Oula. Le traité de paix de Rome. Je sais pas ce qu'il prépare, mais j'ai l'impression qu'il a la dent dure, ce type. En même temps, je le comprends, entre guillemets, mais... La paix de l'empereur! La volonté de l'empereur! Que le roi impose son sceau sur ce parchemin, et nous pourrons tous quitter cette île maudite. Bien. Votre empereur, mon père, est vraiment sage et juste. Je sens le couac. Voici le sceau de l'empereur.
Il représente sa volonté et la puissance de Rome. Qu'est-ce qu'il fait ? Viens. Je le sens mal venir, je sens le guac, je sens le twist. Embrasse-moi. Enlace-moi, tu veux dire. C'est le terme original pour embrasser. Fais-lui un câlin. Voilà, un câlin. Roi Oswald, voilà ta paix. Non ! Je le savais ! Ah, c'est la merde ! Comment oses-tu ? Espèce de chien galeux ! Émeute ! Tu vois ? Tu vois ce qui se passe quand on me défie ! Personne ne me défie ! Je suis sûr que t'as pas besoin de poignarder autant de fois un homme. Damn ! Ce ne sont pas les barbares qui ont tué mon père. C'est l'empereur. Sauf Rome, Marius. Allez ! À genoux, chien ! Oh ! Revers de la main patriarcale ! J'ai dit à genoux ! Ouais, bah ouais. Après avoir buté leur roi, Non. Ce n'est pas le moment, Boudica. What? Mon père est un dieu! Je suis un dieu! Obéissez-moi! Comme vous obéissez aux dieux! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au! Conduisez-nous au port! Bien joué! Vitalion! Je t'ordonne d'écraser ces chiens de rebelles! Et surtout n'épargne personne! Vous allez le payer très cher! Nous tuerons chaque homme, chaque femme et chaque enfant! Et nous cracherons sur vos tombes! Mais c'est sérieux, le gouverneur? Oh, putain! Renforcez les murs! Repoussez-les! Vite! Fermez les portes! Il ne faut surtout pas que leurs troupes entrent, compris? Ouais! Je vais rester ici! Occupez-vous des murs! Marius, nous devons gagner du temps. Tu dois empêcher l'ennemi de tirer. Magnifique parade! Au port. Arrange-toi comme tu peux. Je te rejoindrai au palais de justice. Allez! Wouah! Comment c'est la merde! Comment c'est sensationnellement la merde! Et comme j'ai l'impression que ma console vient sensationnellement de bugger, chers amis. Wouah ! La Xbox One, elle est sérieuse ! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous retrouve dès que la situation s'est débloquée. Re, chers amis, pour votre information, c'est pas que le jeu qui a freeze, hein. Mais l'interface aussi. Hein. GG pour le développement de votre console, au passage. Hein. Complètement imperméable à tous les problèmes, hein, Ah, il y en a beaucoup qui vont être là. Ouais, mais Bob, il faut l'affiner, ça sort pas tout du premier coup, c'est pas possible, tout ça. Ouais, non, soyons sérieux une seule seconde. Je veux bien tomber sur un bug occasionnel. Je veux bien tomber sur un crash occasionnel. Pas mal, j'ai rien dit. Bon, je veux bien tomber sur un bug occasionnel. Je veux bien tomber sur un crash occasionnel. J'ai eu une Xbox moi aussi. J'ai eu une Xbox 360 moi aussi. Ça m'est arrivé. C'est arrivé plein de fois dans l'enfance, machin, c'est tout. Mais là, soyez sérieux avec votre produit. Soyez sérieux, Microsoft. Ah, allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons à la fin de la cinématique. Le niveau dans lequel je suis s'appelle la Pax Romana, la Péromène, qui consiste en 4 coups de dague entre les côtes.
ce qu'on appelle une entrecôte. Ça bourre. Ça bourre le couteau. Mon Dieu. C'est quand même du grand n'importe quoi, hein. Je sais que la réalité historique de ce jeu se résume à celle d'Astérix. Et encore, je trouve qu'Astérix est encore plus fidèle historiquement que ce jeu. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à chaque fois, à chaque vidéo, à souligner les milliards d'incohérences qui bourrent et ratatament ce jeu à l'infini. Dont le jeu est complètement bourré. Mais bon, écoute, hein. C'est pas grave, c'est aussi une fiction, c'est sympathique, c'est aussi marrant que Gladiator ou... Pacific Rim, c'est... Brains off, les enfants, brains off. Désactivez vos cerveaux et... What? Défendez le mur, montez sur les parois. D'accord, ok, on va assumer que j'ai été téléporté vers le haut à la fin de la cinématique. Ok, on va assumer ça, hein. Pouf, pouf. Voilà. On va assumer ça, donc on va fouiller un petit peu l'endroit. Quand même, c'est gris et brumeux, la Brittany, hein. Enfin... Allons-y. Puff. Archer, en position. Faites pleuvoir les flèches à monseigneur. Oh putain de bordel de merde. Il est sérieux, notre abruti d'empereur. Enfin de. Oh le sac. J'ai l'impression que ça va se complexifier, chers amis. Un peu plus. Je n'ai jamais rien pu. Ouais. Soldats! La bataille sera féroce! Ils veulent nous massacrer! S'emparer de tout ce que nous possédons et aimons! Et ne laisser que des ruines derrière eux! Qu'ils viennent! Et nous verrons qui sera le plus fort! C'est tellement stylé! Je peux les parer? Est-ce que je peux les renvoyer? Non, c'est pas possible, c'est dommage. Donnez-nous des cibles, sans problème. Waouh. Visez les tours de siège, au côté ancien derrière le mur, mes tirs des anciens de chaise se poursuivront. Croyez-vous sur le côté, les tours de siège atteindront le mur. Qu'est-ce qui est le plus grave? Qu'est-ce qui est le plus grave stratégiquement? Les engins de siège ou les tours de siège? S'ils détruisent toutes les fortifications, ils pourront passer. Mais s'ils posent leur tour, ils pourront passer. Dans tous les cas, ils passeront. Je préférerais... Allez, pour les pique-nesses de la chose, chers amis, visez les tours de siège! Ça veut dire qu'on va continuer de se prendre des boules de feu dans la gueule. Sont faibles, courte portée. Visez les tours et les soldats. Vas-y. Et ça marche bien. Ils prennent tellement cher. On prend tellement cher nous aussi. Les voilà. Ouh. Bonk. Comment ça les barbares montent sur le... Bonk. Aïe, bien joué. Archer, couvrez-moi! Couvrez-moi de votre amour, de votre tendresse et de votre affection! Jolie les filles! Ça, j'aime voir ça, moi! C'est ça qui me plaît! Ah, je peux pas le pousser hors du trou? Oh, il s'empale sur le mur! Oh, c'est glauque! Bonk, esquive! Oh, il est pas mort! Ah! Ok. Bonk, esquive! Et toi, bonk! Ah, bien joué! Bien joué! Il est monté, le mec! Bonk! Aïe, aïe! Attention! Pas d'archer! Feu! Oui! Ils sont morts! Je peux tirer sur des jambes là? Apparemment oui. Oula! Dessinez vos cibles!
Non, il faut continuer à viser les tours de siège, sinon elles vont se poser et ça va vraiment être la merde à partir de là. C'est bon, on va faire le reste. Visez les anciens... Bah là, voilà, excusez-moi. On va la refaire. Visez les engins de siège. Baliste, visez leurs engins de siège. Tirez sur les machins qui envoient des bouboules. Les bouboules. Les bouboules. Voilà. Les bouboules du bonheur. Oh putain, ça avance vite, hein. Les mecs, ils poussent, hein. Les échelles sur le mur. Merde, oui, c'est vrai, il y en a là-bas. Pardon, pardon, j'étais pas attentif. Je devrais regagner de la rage avec ça. Hop. J'allais prier pour vos mensonges. Oula, oula, voilà. La tour est à notre portée. Tenez leur sachet en nous. Et dites-moi quand ils sont prêts. Lancez la volée. Allez, 1, 2, 3, bat. Marchez, tournez. Feu. On attend qu'il se rapproche et on fait un double kill. Voilà, on gagne plein de rage. J'ai gagné 4 barres de rage, super. Aïe, 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 j'avais pas vu celle-là. J'étais en train de changer de truc. On a pris. Permet, s'il te plaît, je suis en train de réfléchir. Ils m'interrompent dans mon action. Ce méchant est dissident. Voilà. Je préfère. Ah, excusez-moi, je vérifie. Toutes mes excuses pour l'interruption, on y retourne. Allez-vous prêts ? Waouh, le machin comme il rentre dans mes fortifs et... Bon, bon, bon. Tenez bon. Arrière. Oh, je vais couper là, oula, 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 oula. Is Sparta! Voilà! Et moi pendant ce temps-là, je niquais ta tour de siège! Et moi pendant ce temps-là, je la pète à coups de bras! Voilà! Parade! Oh là! Biri! Et toi là-bas? Crois-tu peux t'en sortir? Sparta! Sparta! Oh, mais il est pas tombé! Il est pas tombé! Ce méchant est dissident! Oh, le coup de genou! Tiger Knee! Magnifique Tiger Knee dans sa face! Bon, bah ça va, ça se défend plutôt bien ici! J'en ai tiré, mais je dis ça au pif! Oh, Dan Pilop! Aide au meurtre. quelles sont nos cibles? Visez les tours de siège. Baliste, visez les tours et les soldats. On va continuer de repousser leurs échelles sous une pluie de flammes. Mais c'est pas grave. On gère la fougère. Quand même, quel bordel il a déclenché notre abruti. Je le retiens, lui, hein. Aïe! Ah bah non! Dulia! Bonk! Et voilà! Tu resteras bien, hein? Tu t'es accroché au porte-manteau, je vois que tu as trouvé tout seul! Centurion! Les barbares nous ont venus! Nous devons faire tomber! Dulia! Dulia! Oh! Anda dragon! Ok, bonus aux dégâts! Oula. Bon. Julia.
Je m'en condamne, ça va, j'y travaille. Coup double. Folie héroïque. Folie légendaire. Folie. 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 Oh. Ah, il m'a tué mon combo, lui. Il m'a tué mon kiff. Il m'a cassé mon groove. Tout ceci est inacceptable et résulte d'une dissidence qui ne saura être tolérée. Et je l'ai dit, mec. Bonk. Voilà. Ça, c'est pour le truc. Cet épisode se termine et est en train de se terminer. J'aimerais quand même réussir à finir cet assaut. Joli tir, magnifique tir, très Legolas, hein. J'ai beaucoup aimé. Much Legolas, such aim, the doggy. Enfin, ça se dit doge, mais je dis doggy. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux toi aussi? Hein? T'en veux? T'en veux? Tu veux du bonheur? Tu veux du plaisir? Tu veux du Sparta? Oh! Décidément, je crois que je m'en lasserai jamais. Ouais! Attendez. Suivez-moi, soldats! C'est la merde! Putain, quel bordel. Ouais, j'étais censé aider les civils. Enfin, on va s'en occuper dans le prochain épisode. Sur ce, chers amis, gros bisous à tous et à la prochaine pour la suite de votre feuilleton. Restez branchés, restez à l'écoute, faites-vous plaisir, un pouce vert et à la prochaine. Allez, zou.